Nous voici donc au début de la sixième semaine. Nous avons passé la moitié de ce MOOC aujourd'hui et nous allons nous concentrer cette semaine sur différentes choses en fait qui vont à la fois résumer en partie ce que l'on a fait dans les cinq premières semaines en introduisant un moyen linguistique supplémentaire qui est la citation et préparer les cinq semaines qui suivent, à savoir en introduisant une nouvelle structure de données qu'on appelle la liste d'associations. En réfléchissant sur cette structure de données et sur les structures de données qu'on a vues précédemment, à savoir les listes, en vous explicitant cette notion de barrière d'abstraction qui permet effectivement de masquer l'implémentation d'une série de concepts. Et enfin, pour illustrer cette barrière d'abstraction, nous passer à un nouveau type encore de structure de données qui sont les arbres binaires, qui sont donc le début de notre série sur les arbres, puisqu'après on parlera d'arbres binaires de recherche et d'arbres binaires généraux. D'arbres généraux tout court.